Et non, je n'ai pas mal, car Jordan est magicien. Et aujourd'hui, on va piéger PJ. Il y a mon père qui est là, qui est aussi. C'est moi alors. Voilà. Ouais, voilà. Je dirais même comme merde, comment on dit? A few moments later. On dit quand un. C'est tôt. 2 hours later. Un complice. Même complice, je dirais même complice. Donc on va commencer par Adé Laurent hein, qui récemment nous a fait une déclaration assez surprenante. Hein. Pousse la question, alors celle-ci va peut-être te faire moins plaisir. Alors, je te dis, je viens en Australie où j'ai croisé des gens que tu as côtoyés là-bas et ils m'ont dit que tu ne prenais pas que des trucs hyper clean. Du style, tu sais, le fantasme de quand on est très musclé, on prend des choses supplémentaires pour pouvoir avoir les muscles qui explosent. Moi j'y connais pas grand-chose. Alors il faut savoir que j'ai jamais encore, je dis bien encore, parce que dans le fitness, dans le bodybuilding, on pense à ça souvent. Quand on tombe dans ça, on se dit voilà, on a toujours envie de plus être musclé, etc., mieux se sentir. Alors pour l'instant, non, j'ai jamais rien pris de. Je me suis jamais dopé. En revanche, bien sûr, je prends des compléments alimentaires, je prends tout ce qui est compléments alimentaires, acides aminés, protéines, glutamine, oméga 3, vitamines, évidemment. Adé Laurent, bon, fait une magnifique pirouette. En gros, voilà, il assume pas, il dit comme quoi, non, je me suis jamais dopé. Par contre, je prends des compléments alimentaires. Encore une fois, en faisant cette pirouette malhonnête, il associe compléments alimentaires à produits dopants. En gros, c'est les compléments alimentaires qui m'ont fait avoir ce score-là. Or, c'est faux. Et on sait que c'est faux, les Moi, franchement, ça fait longtemps, mais je suis assez fier, c'est assez régulier comme rond. Aïe. Ça va, Alex? Non. Ça va pas. Bouge pas. Ça va pas. Assis-toi. Les deux dents gros, j'arrive pas à assis-toi, me lever. Assis-toi, Alex. Calme-toi, c'est rien. Bouge pas. Baisse le bras. J'appelle le... Énorme et sec, le nouveau parfum Thibaut InShape, aux extraits naturels de sueur. Et ça, c'est bon pour attirer la petite. Mais qu'est-ce qui s'est perdu selon toi? Parce que bon, toi, c'est vrai que t'es pas réseaux sociaux. C'est pas ton truc. J'essaye, mais je suis très mauvais. Mais selon toi, qu'est-ce qui s'est perdu dans les valeurs de la musculation? Ce qui s'est perdu, c'est des notions de travail, des notions de patience, des notions de recherche, des notions d'abnégation, cette capacité aussi à faire du surplace et à se dire tiens, pourquoi je progresse pas et comment je pourrais amener une réflexion pour pouvoir évoluer. Donc ça, les gens ont plus envie, mais donc les gens veulent tout de suite. Ah, oh, putain, j'appelle. Vas-y, vite. C'est bon. Ouais. C'est caméras cachées, y a rien dans mon bras. Y'a rien, gros. Caméra cachée, couteau truqué. Il a la haine. Putain, t'es vraiment un connard. Qu'est-ce qu'il dit, la bétonnière du Chantard? Gasoil? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que t'es prêt pour la guerre? Je suis prêt pour la guerre mondiale 2020. Écoute, c'est parfait. Je vais expliquer aux abonnés ce qui va se passer au cours de cette vidéo. D'accord. Et puis après, on commencera la guerre. Tout le dialogue est en tour. Merci, mon ami. Complément alimentaire, c'est de la merde la plupart du temps. À part les quelques-uns que je vais plus vous présenter en vidéo. D'ailleurs, au moins 10% chez SD Nutrition avec le code Marvel10. Prochain exercice, qu'est-ce qui va se passer? L'arme à feu en service. Double sécurité, hop, on appuie là. On appuie, on sort l'arme. Est-ce que les agents ont l'arme chargée quand ils partent? Bien sûr. Donc là, on met le chargeur. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Merveilleux, ton arme est approvisionnée. Donc maintenant, imaginons qu'il y ait une personne, un agresseur face à moi. Je veux l'interpeller avec l'arme à feu. Est-ce qu'il y a des phrases à dire? Je me présente. Bonjour. Je m'appelle Henri. Sur TRATP, posez votre arme. Thibaut InShape, sur TRATP, posez votre arme. Ça fait film américain un peu, non? Alors, je t'ai ken ou je t'ai pas ken? Il me disait, bah alors là, mon vieux, moi je m'y attends maintenant, là pour que tu m'aies. Gros, j'allais pleurer là. T'es vraiment une merde. Donc, voilà, pourquoi on peut émettre des doutes sur les déclarations de Adé Laurent? Donc, Adé Laurent, on va pas se mentir, il a l'un des meilleurs physiques des influenceurs français. Hein. J'aurais pu le mettre dans la vidéo top physique FR, parce qu'il a un gros physique, mais enfin bref. Donc, le doute est permis, ne serait-ce que dû à son évolution. Le mec, on peut voir que de base, il avait déjà une super bonne base. Certainement qu'il a une super bonne génétique, mais
quand on regarde ses photos de l'époque de garde à vous et un peu plus tard, déjà, elle était très bien. Là, déjà, c'est un physique, tu le regardes, tu peux avoir des doutes, mais tu dis, allez, génétique golden, c'est possible, c'est peut-être possible naturellement. Mais le mec est passé à un niveau au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu passes de ce physique-là à ce physique-là? Il n'y a pas une fois à croire qu'il a changé de technique ou c'est la diète qui a changé. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Tu vois, ça justifie pas ce niveau, j'ai envie de dire, quelque part. Donc, c'est pas des compléments alimentaires non plus. Donc, à partir de là, il reste quoi? Il reste quoi? Bah, je suis désolé, est-ce que la possibilité de produire du dopant? J'ai envie de dire, peut-être que les gens qui sont en Australie sont bien renseignés, comme dirait Caris. Il faut être clair, hein, si Adé Laurent est effectivement naturel, ça veut dire qu'on fait de la merde. On ne sait pas s'entraîner, comme ils disent les chargés. Ils vont dire, ah, mais vous n'avez pas de nutrition, c'est pas vous entraîner, c'est pour ça. Ça valide cet argument. Bon, tu veux qu'on t'explique un peu? Putain, mais bien joué. Non, parce que... Putain, mais tu sais, je savais pas, gros, j'étais à deux doigts de pleurer. Je te vois, tu te relèves. Après, je me dis, mais réponds pas. Tu te relèves, t'as plus le machin. Tu sais, c'est... C'est plus où t'étais, hein. Non, mais surtout, tu sais, ça saigne, c'est bien fait, hein. Et ton père? Pourquoi t'as fait ça? Mais je me disais, il panique pas trop, Joseph. T'sais, il dit... Important. Et il faut en comprendre les conséquences. Même si vous faites tout ce qu'il faut pour ne pas avoir des effets secondaires, vous avez un risque. Et ça, il faut bien le comprendre. Le risque zéro, ça n'existe pas. Moi, je pense, moi, de mon point de vue à moi, ouais. Moi, si je me suis mis, entre guillemets, à me doper, c'est, on va dire, c'est de l'insécurité. C'est qu'en fait, tu es dans un système où tu vois des gens qui en prennent. Et aussi, faut pas se mentir, c'est mercantile, quoi. Les gens, il y a des gens qui sont là pour t'en vendre et te faire croire également que sans ça, tu n'y arriveras pas. Et quand tu vois un physique qui te fait, entre guillemets, rêver, qu'on t'explique que c'est parce que la personne prend A plus B, bah, tu te dis, bah voilà, tu es obligé de le faire. Et après, tu rentres dedans par une forme d'incitation, mais une incitation également personnelle, tu vois. Tu vois, c'est comme si on te disait, pour se choper une femme que tu trouves jolie, il faut que tu fasses ça. Et ben, tu le fais pour finir par la voix. Ok, Bibou, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Oh yes. Putain, au secours. T'as oublié que t'avais tes petits ongles de chouin. Ton chouin. Non, c'est pas bien. Non. Là, tu sais, tu te sens un peu violé. Putain, Bess, je pensais pas que t'aurais essayé de me niquer moi, comme je ça. Je savais pas si j'allais intervenir ou pas. Ah, bah si, c'était... C'était pas mal, le combat. Mais c'est juste que tu me poussais vers le sol et la caméra elle était là-haut. Je voulais que les gens y voient, ils me poussaient, tu sais. Donc je sais pas aux images si on voit, mais. On va mesurer nos forces, hein. On va les mettre en commun et puis on va voir qui va gagner. Ouais. Mais moi j'ai peur d'un truc, gros. T'as peur de quoi, frérot? Oh ouais! Putain! Oh putain, imagine, on sonne tard la table. Oh ouais. Putain! Voilà, ça va être Goku contre Vegeta. Hein. Oh putain, on va y avoir tellement de pression, ça se trouve, la table, on va la défoncer, mon pote. Bah alors, Jordan, c'est réussi ou pas? Bah, de ce que j'ai entendu, oui, je verrai les images plus tard. Mais. Je sais pas s'il y a rien contre toi ou contre moi pour l'instant. Non, je me dis, je suis une merde, surtout parce que. Tout le temps, tu sais, j'avais passé le diplôme, machin, je me disais, il faut faire ci, il faut faire ça, et en vrai, là, je faisais rien de ce qu'il fallait faire. J'avais envie de partir, tu sais, le laisser, tu sais, je suis allé chercher le téléphone, je m'étais juste à pu taper le 15, j'ai mis longtemps, j'étais dans les contacts, je comprenais pas, tu sais, je pense, tu sais, j'ai pas bien réagi, tu vois, j'arrête. Je crois que ça a l'air d'aller. Théoriquement, je me suis lavé les dents avant le tournage, les gars. Donc si jamais j'ai une feuille de salade coincée quelque part, je compte sur vous pour me le dire. Moi, je vais tirer vers le bas, ouais. Et toi, tu vas monter. Okay. Vas-y, fais du curl biceps. Voilà. Maintenant, toi, tu contractes fort, ouais. Et il faut pas que je me baisse, ok? Ok. Mais si, tu me laisses baisser, okay. Mais tu forces, tu vois. D'accord. Voilà, vas-y, okay. Monte. Voilà. Tu vois, là, toi, tu chauffes ton biceps, ouais. Et moi, je chauffe mon triceps, mon pote. Ouais. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.